Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait : Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qu'il y a de plus grave dans la loi : la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous enlevez le boucheron avec un filtre et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur devienne aussi pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous arrive de temps en temps de faire le grand ménage après la saison des pluies, tout a poussé. Fait un beau jardin où on va recevoir quelqu'un, on fait le grand ménage dans la maison. On passe en revue tous les coins et recoins. Et quand c'est fait, la personne se sent bien, il fait bon vivre dans une demeure, dans une maison, avec accueillant. Et bien, c'est ce que Jésus nous propose. Du moins, il propose à la partie pharisienne de notre vie, cette partie pharisienne qui sommeille en chacun de nous. Jésus nous propose de faire un grand ménage à la lumière de l'Esprit Saint. Mais pas seulement une fois de temps en temps, pas seulement à Pâques, mais c'est chaque jour. Purifier notre cœur, le débarrasser de toutes les saletés, ces saletés qu'on appelle jalousie, rancœur, médisance, purifier notre cœur de toutes ces impuretés qui l'encombrent, pour avoir une vie en profonde cohérence, en profonde adhésion avec la foi au Christ. Nous anime. Il ne faut pas se suffire des seules pratiques extérieures. C'est vrai qu'il faut venir à la messe, mais il faut que la messe continue après la messe. Il faut vivre avec un esprit saint dans un corps saint, et saint S-A-I-N-T. Il nous faut rendre pur le sanctuaire de Dieu.